Et c'est parti pour Oliver Plasma pour faire un record dans The Mercenaries qui est sur Resident Evil 4. On a déjà Presque dit. un deuxième jeu dans ce même jeu. Et c'est Oliver Le même Plasma niveau. qui va... Oui, on est au même niveau avec le même bonhomme. Et Oliver Plasma va essayer de faire son record. Plus de 70 000 points. Ça va être chaud. Moi j'ai fait que 4 500 points. C'est ridicule. Voilà. Je suis pas un expert, mais Oliver, lui, s'y connaît. Alors vous pouvez vous attendre à avoir une super vidéo d'au moins 10 minutes si c'est vraiment pas plus. Voilà, il prend les bonus, il commence à prendre les bonus, tout Ce qui est simplement. important Ouais bah oui. pour commencer le jeu. C'est une super tactique. On Une vous rappelle petite que les bombe. tronçonneuses ne laissent pas le choix. Hein. Elles vous tronçonneuses une fois. Elles vous le tronçonnent une fois, pardon, et vous êtes déjà mort. Ah voilà, c'est toujours très habile de tirer dans la tête. Parce que ça, on Ça gagne un peu permet de plus de les points. éliminer directement. Vous pouvez voir la précision. Il est très précis dans ses tirs par rapport à nous tout Merde. à l'heure. Bien sûr, Crozer a aussi des... Ça me Ah, fait pas que tomber. cette arme, il a aussi une arme, comment ça s'appelle? Bam. Voilà, pour repousser. Et un petit coup Une là. arme pour aveugler et pour partir un peu s'il y en a trop. C'est très pratique. Oliver va nous Boum. faire voir comment aveugler. Comment Oliver. faire ça? C'est pas mal ça. Ouais, ça c'est... Mais j'entends un petit bruit de tronçonneuse. Je Si vous flippe. avez peur, nous aussi on a peur parce que... C'est un jeu très flippant. Voilà. Ouais. Il va peut-être aveugler. Est-ce que tu vas aveugler, Oliver? Oui. Ouais, vous voyez, c'est très intéressant. On voit bien la tronçonneuse là. Ouf. Un gars qui a explosé. Bon. Les tronçonneuses man sont ici. Enfin, plutôt girl. Si vous regardez bien sûr cette vidéo, vous n'êtes pas du tout nostalgique, car cette vidéo est tirée d'un jeu exceptionnel qui est toujours à la mode aujourd'hui. Hein. Tellement les graphismes sont plus que corrects aujourd'hui, et pour l'époque c'était vraiment exceptionnel, on vous le répète. J'ai lu sur jeuxvideo.com une note de 19 sur Oui, 20, ouais, 18 je 19, crois. 18 sur 20, bah, c'est quand même bien, très bien. Peu de jeux ont cette note. Et j'ai réussi. Et En voilà, tout cas, il on est est... déjà à plus de 20 000 points, il a battu mon record personnel que j'avais fait il y a 2 semaines. Et je crois que je vais gagner du temps car je Ouais. connais Je vous quelques rappelle que son endroits où on record gagne du c'est temps. 70 000 points. Il en est encore loin, mais on y croit. 10 d'affilée, ah oui. Ah bah j'ai vraiment géré ce jour-là. Alors est-ce qu'il va gérer pour nous aujourd'hui, Oliver? En direct, on est en direct. Cette vidéo n'a pas été enregistrée, on est vraiment en direct du direct. Rien n'a été préparé, il n'y a pas eu de temps d'essai. Oui, ça fait mal. Super coup de pied ultime. Très pratique. Très pratique Pour pour... ouais, les combos au corps à corps, c'est vraiment... Quand vous avez plus rien, hein. Mais c'est quand même pratique, voilà. Je crois qu'il y a encore une tronçonneuse. Et merde. Et ouais, la super attaque de Crozer. C'est le seul personnage capable de faire ça. C'est très intéressant. Quand vous avez plus de flèches, et ben voilà, faut faire ça. Il faut y aller au moral. Voilà, il n'y a plus de flèches, ça y est, il vient de reprendre. Non, c'est ça, 111, On tu peut crois dire qu'il que il y a quelque chose d'un peu chiant quand même dans ce jeu, c'est qu'il faut à chaque fois courir. aller dans le menu pour recharger son arme. J'ai trouvé ça un petit peu chiant personnellement. Ouais, Qu'elle ne mais ils ont recharge pas évolué ça après. automatiquement. Apparemment, il me dit que ça a changé. Ouais, maintenant sur PS3 et on peut Oui, bien changer sûr, comme on mais sur veut. ce jeu, ça n'a pas été fait. Évidemment, C'est parce que ce c'est qu'on le retient. premier. C'est le premier jeu qui a été fait comme ça, le premier Resident Evil, parce que les autres d'avant c'était image par image. Ouais. Ce n'était pas terrible. Pas terrible, mais c'était vraiment... C'était un autre style, mais un style que beaucoup de joueurs aimaient. Un style un peu énigme, frisson. Voilà, Resident oh Evil les 4... grenades! Voilà, C'est Resident fantastique. Evil 4 est plus orienté vers l'action. Par rapport aux autres Resident Evil qui étaient plus orientés vers l'horreur ou les énigmes. Voilà. C'est tout à fait ça à faire. Alors bien sûr, quand on parle de Resident Evil,
On parle aussi de Silent Hill. Alors, Silent Hill, c'est pas du tout comme Resident Evil 4, c'est plutôt comme les premiers Resident Evil. C'est un jeu... Je trouve que c'est quand même mieux, parce que, bon, c'est plus récent. C'est un des meilleurs jeux... Le premier Silent Hill était presque le meilleur jeu PS1. Par la suite, sur PS2, ils ont fait des super montures. Mais sur PS3, ça s'est malheureusement essoufflé. C'est un monument en péril, on va dire. Mais on n'est pas là pour parler de Silent Hill, bien sûr, je m'excuse un peu. Voilà. Plus vous avancez dans le jeu, plus les villageois vous repèrent et plus il y en a. C'est là où des bidons d'essence, on va dire, sont agréables à prendre pour les éliminer tous d'un coup. Et on voit qu'il y a du temps derrière. 60 000 points, il est à 10 000 points, mesdames et messieurs, de faire son record pour vous. Il verra-t-il les boules? Aïe. Ah, papy est pas mal là. Pas mal sur ce coup, papy. C'est une super attaque de four. Ouais. Bon, je trouve que sur ce jeu, les bâtiments sont super bien retransmis. Vous êtes vraiment dans l'ambiance d'un village abandonné. Un village abandonné. Je vous rappelle que nous sommes en Espagne, dans ce village. On a vraiment l'impression d'être face à des paysans vraiment zombies. Ouais, zombies comme je le dis. Une fois que vous coupez, vous touchez la tête et ben ça ressort. Il y a des tentacules qui ressortent. C'est le côté horreur de ce jeu. Hein. Voilà, tout simplement. Le personnage qui se sent pas très bien. Ouais, moi c'était à peine 2 minutes de vidéo et Oliver, vous voyez, c'est déjà 7 minutes. Ah là, faut du temps, Oliver, allez. Oh. Et non, ça sera pas le record malheureusement. Ce sera 64 340 points. C'est déjà pas mal. Ça doit être un record dans votre top 10, Oliver. Voilà, 5 étoiles, c'est le maximum. Et toi, t'as eu une étoile. Voilà. Magnifique. Bon. Une fois, j'ai réussi 20 000, mais j'étais vraiment en grande forme. Alors voilà, on referme cette vidéo sur un super jeu et un super...